Bonjour et bienvenue dans Objectif 2023 qui reçoit pour vous aujourd'hui sur ces plateaux les députés nationaux Juvénal Moulobo, élu du Nord Kivu et un des membres du groupe de 13 personnalités. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, bonjour à tous les internautes qui nous suivent. Alors, une année après votre appel à un consensus pour les réformes électorales, le G13 a dénoncé les statu quo. Comment expliquez-vous cela? Alors, vous savez, le compteur est en marche déjà, parce que les jours passent et on s'approche de plus en plus de l'échéance de 2023. Et nous pensons qu'il faut tirer des leçons de la fin de la gouvernance Kabila, parce qu'il y a eu beaucoup de tensions déjà vers 2016, lorsque le mandat était arrivé à la fin. Et donc, il faut respecter les délais constitutionnels. C'est un impératif, mais aussi il faut garantir un processus électoral apaisé. Alors lorsqu'on voit la manière dont les débats s'est déroulé à l'Assemblée nationale autour de la loi Lutundula, la loi organique de la CENI, on s'est rend compte qu'il y avait une bonne dose de politisation. C'est comme si on était encore dans cet esprit après les dialogues de Sand City où les composantes, les politiques cherchent à se positionner, y compris dans des institutions d'appui à la démocratie comme la commission électorale indépendante. Donc l'idée de la politisation, les rendez-vous, l'objectif de la dépolitisation n'a pas été atteint. Avec la configuration de ce que sera la CENI lorsque ses membres seront installés. Et c'est une inquiétude. Une autre inquiétude, c'est qu'au moment où on doit garantir un processus apaisé, électoral apaisé, il y a des discours divisionnistes, il y a des initiatives même de loi, hein, comme l'initiative, la loi dont on dit la loi Tchani, ou si vous voulez, portée par les collègues Nsingi, Pouloulou. En fait, c'est une loi qui vise à diviser les gens. Hein, parce que c'est une loi qui exime un peu le levier des mots de la division, alors que ce n'est pas ça qu'il fallait. On ne peut pas, à travers une loi, exclure de l'accès aux fonctions régaliennes une catégorie de Congolais. Un président de la République au Congo doit être Congolais d'origine, et nous pensons que ça devrait suffire à ce stade. Mais aller jusqu'à dire qu'il doit être de père et de mère, et ça laisse penser à l'ivoirité. Hein, ce sont des antivalaires et ça nous fait reculer. Alors tout ça, ça ne fait qu'accroître l'inquiétude. Et là, nous ne parlons pas encore de la situation économique qui ne s'améliore pas, nous ne parlons pas encore de la sécurité à l'Est. L'état de siège, on proroge maintes fois et on a comme l'impression qu'on est dans une sorte d'enlisement. Voilà tout ça qui nous rend un peu sceptiques. Il y a lieu de nous interroger. Nous nous sommes réunis le 11 juillet 2021, c'était pour faire l'évaluation du chemin parcouru, voir qu'est-ce que nous avons réalisé comme G13. Nous pouvons nous féliciter d'abord du fait que nous avions proposé des options fondamentales pour les réformes électorales et qui devraient nous aider à dégager un large consensus. Et nous nous sommes réjouis de constater que notre appel avait été suivi, l'appel du 11 juillet avait été suivi par l'ensemble de la classe politique jusqu'à la tenue des consultations par le président de la République. Et donc, c'est un point d'actif, en termes d'actif, dans notre, ce qu'a été notre objectif lancé l'année passée. Et nous rendons aussi hommage à l'un de nous, très courageux, honorable Henri Thomas Lokondo, paix à son âme, qui nous a quittés, un réformateur intrépide, avec un esprit républicain. En tout cas, nous lui rendons hommage. Nous encourageons aussi l'initiative actuelle aussi au niveau de la société civile, ce qu'on appelle Agenda Citoyen, pour mobiliser les forces vives, faire de l'éducation civique et électorale. Nous pensons que les forces vives doivent se mobiliser dans l'objectif de faire respecter le délai constitutionnel et dans l'objectif de demander un processus électoral apaisé. Voilà, nous pensons aussi que, je terminerai, nous allons peut-être y revenir, je les annonce d'abord, il y a la question aussi du recensement. On s'est dit, mais est-ce que c'était le moment? C'est le moment maintenant qu'il faut lancer le recensement. Parce que le risque, c'est quoi? C'est que ça pousse les délais. Hein, si le recensement commence en retard, parce que maintenant là, si on lance un recensement de la population, ça aura une incidence sûrement sur les délais constitutionnels. Hein, parce qu'il n'est resté pratiquement qu'un peu plus de 800 jours. Alors si on lance un recensement, les délais de 2023 risquent d'être... Pourquoi on ne l'a pas fait avant? Pourquoi on ne s'y est pas pris avant?
On y reviendra peut-être. Voilà. Mais ce qu'on aimerait savoir, qu'est-ce qui est la base ou qui est la base de ces statu quo? Alors, notre rôle, le rôle du G13, ce n'est pas de désigner des responsables. Hein. Nous laissons à l'opinion elle-même de désigner qui est responsable. Notre rôle, c'est d'indiquer qu'il y a des problèmes. Nous avons agi comme un organe d'alerte au début et nous continuons à alerter. Parce que ce qui est essentiel pour nous, ce n'est pas l'accès au pouvoir. Ce qui est essentiel, ce n'est pas que nous nous retrouvions dans les institutions. Notre souci pour nous, c'est que nous arrivions à faire garantir un processus électoral apaisé, où règne le consensus, et que nous arrivions à respecter les délais constitutionnels. Nous avons vu les risques, hein, le pays a frôlé une situation catastrophique vers la fin du mandat du président Kabila. N'eût été l'intervention de l'Église catholique avec les dialogues de la Saint-Sylvestre, eh bien, il y aurait des casses, hein, ça vous le savez. Alors, nous ne voulons plus qu'on arrive à une situation pareille, hein, que les tensions aillent croissantes à l'horizon 2023. Donc, votre but, ce serait d'alerter ou ça ne va pas ou... Nous alertons, non seulement que nous alertons, parce que nous alertons dans la responsabilité. Nous alertons dans l'objectivité parce que nous proposons des pistes et des solutions. Vous savez, quelqu'un d'autre peut toujours alerter et il ne propose rien. Alors, ce qui est spécifique dans la lutte dans les objectifs du G13, c'est que nous alertons. Alerter, c'est une bonne chose, une première chose. Une deuxième chose, c'est que nous proposons des pistes et des solutions. Nous donnons des idées pour que le pays avance. Voilà. Et c'est ça notre originalité. La loi sur la Commission électorale nationale indépendante controversée a été déjà promulguée. Elle ne consacre pas la dépolitisation de cette institution d'appui à la démocratie. Oui, vous l'avez constaté, oui. Par vous, le G13. Mais est-ce que c'est un mauvais départ pour le processus électoral? Oui. Pourquoi? Les prochaines élections, si on peut dire. Oui, parce que ceux qui seront désignés là-bas, ils vont d'abord représenter leurs composantes politiques, quoi. Il y a ceux de la majorité, il y a ceux de l'opposition. Vous voyez, donc, ça risque d'être une sorte de reproduction du gouvernement Sama, hein, où ils ne sont là que pour représenter leurs composantes. Alors qu'au niveau de la commission électorale indépendante, ça devait être vraiment des gens indépendants, à esprit indépendant. Vous voyez, on devait faire un effort que dans l'établissement des critères, dans la répartition des responsabilités, on ne devait pas aller à la va-vite et on devait vraiment s'assurer qu'on met à la CENI des personnes vraiment indépendantes. Mais là, avec la politisation, il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie. Plutôt ciel que les personnes qui seront désignées placent la République en premier lieu et que ce ne soit pas des gens qui ne sont là que des missionnaires dans leur parti politique ou des émissaires dans leur parti ou regroupement politique. Voilà, au sujet de la dépolitisation de la CENI, le président de l'Assemblée nationale avait dit ne pas comprendre qu'une institution chargée d'organiser les joutes politiques soit elle-même apolitique. N'avait-il pas raison? Alors, la politisation... Bon, déjà, quand nous parlons des élections, nous parlons de la politique, évidemment. Je suis d'accord, vous pouvez être d'accord avec moi. Mais cela ne veut être politique, s'intéresser à la politique, ça ne veut pas dire être politisé. Il y a une différence. Un président de la commission électorale indépendante dont nous avons besoin, il ne faut pas que ce soit quelqu'un de politisé. Il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui est étiqueté politiquement. Pour qu'il ne soit pas politisé, qu'est-ce qu'il faut? Oui, mais il faut voir son parcours. Il faut voir il vient d'où et quel a été son parcours. Maintenant, au stade actuel, est-ce qu'on a des garanties que celui qui sera à la tête de la CENI, ça sera une personne indépendante? Est-ce que ça ne sera pas une personne clivante? C'est ça le problème. Déjà, à ce niveau-là, le futur, il apparaît très sûr qu'il viendra de la coalition au pouvoir. Hein? Ça peut être quelqu'un qui est vraiment... il vient là-bas pour les intérêts du pouvoir. C'est ça, en fait, le risque. Hein? Le pouvoir, c'est notre pouvoir à nous tous. Moi-même, je suis membre de l'Union sacrée. Mais est-ce que c'était si important d'avoir à la tête de la CENI quelqu'un de politisé? Parce que nous tendons vers là. Mais qu'est-ce que concrètement la dépolitisation de la CENI devait apporter comme changement? Ça devait d'abord en termes d'assurance. Ce qui est important dans un processus électoral, ce n'est pas qu'on mettra des saints. Ce n'est pas qu'il faut avoir des personnes saintes. Vous savez que c'est difficile. Oui, je sais. Mais au moins des personnes qui rassurent que la chance sera donnée à tout le monde. Parce que ce qui est important à préserver dans un processus électoral, c'est l'égalité des chances.
que le meilleur gagne. Hein, que les gens combattent, qu'il n'y ait pas des gens qui ont des armes supérieures aux autres. Vous comprenez? Qu'on donne la chance à tout le monde. Si on arrive à garantir un processus électoral qui donne la chance à tout le monde, ça, c'est un processus électoral apaisé. Mais déjà, dans un processus électoral où on voit que les armes sont déséquilibrées, eh bien, ça ne rassure pas. C'est ça, en fait, la crainte. Mais ils peuvent nous surprendre. Hein. Je ne suis pas prophète des malheurs. Ça peut arriver que les personnes qu'on place là-bas, même si au départ, on n'a pas cette garantie au stade actuel, que ça sera des personnes indépendantes, mais ces personnes peuvent nous surprendre. Vous comprenez? Et vous espérez que ça devrait être le cas? Je souhaite qu'ils nous surprennent positivement. Hein? Je souhaite que même s'ils viennent des composantes politiques, ce qu'on craint, ce que nous craignons n'arrive pas. Et tout dépend de la manière dont ils vont se comporter une fois placés à la tête ou dans les directoires de la CENI, dans les bureaux de la CENI. Bientôt, on va désigner le nouveau membre du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. La nouvelle loi donne à l'Assemblée nationale le pouvoir d'accepter ou de refuser les délégués, notamment de la société civile. Vous ne craignez pas que l'indépendance de cette institution soit mise en danger? Oui, il faut que l'Assemblée nationale fasse attention. Quand je parle de l'Assemblée nationale, je vois déjà les bureaux, le travail que doit faire le bureau, le travail des consultations, le calendrier a été proposé lors de la séance passée. Mais l'Assemblée nationale doit faire attention pour ne pas léser, par exemple, la société civile, par exemple, les confessions religieuses, par exemple, l'Église catholique, l'Église protestante. Parce que ça ne servirait à rien qu'on soit dans un processus électoral déjà là qui ait des inquiétudes et tout ça. Et donc, dans la manière de lancer les consultations pour mettre les bureaux, pour installer les bureaux, il faudrait pas que l'église, par exemple, ou d'autres composants de la société civile se sentent exclus par les bureaux. Donc, les bureaux de l'Assemblée nationale devraient faire un effort d'être véritablement l'église au milieu du village. Et là, je me tourne devant notre président, Christophe Mbosso, collègue Christophe Mbosso, de voir dans quelle mesure se mettre un peu au-dessus de la mêlée, hein, et de mériter véritablement cette confiance-là, de faire participer tout le monde et qu'il n'y ait pas une composante et qu'il n'y ait pas des gens qui déclarent avoir été exclus ou n'avoir pas été associés pleinement. Alors, partant du cas de la CENI, comment entrevoyez-vous la suite du processus des réformes électorales avant 2023? Alors, vous savez, il y a la question qui n'a pas encore été débattue jusque-là, c'est la question de financement. Nous avions proposé comme G13 qu'on constitue des provisions, hein, qui est une sorte de provision déjà dans chaque exercice budgétaire, pour qu'on ne soit pas surpris, parce que ce qui arrive souvent, c'est qu'à 5 mois des élections, ou 6 mois, à un semestre des élections, et maintenant on s'est dit, est-ce qu'il y a l'argent, où est-ce qu'on va trouver de l'argent, il faut demander à l'Union européenne, il faut demander à la Banque mondiale ou à la Banque africaine de développement. Ça ne devrait pas se passer comme ça. S'il y a des provisions qui sont constituées, s'il y a un compte alimenté chaque année, il y a moyen qu'à l'horizon 2023, lorsque viendra le moment d'organiser les élections, qu'on ait constitué une provision. Il faut une programmation financière des élections. C'est très important. Même si on aura besoin d'une contribution de la communauté internationale, mais il faudrait pas qu'on se retrouve à la veille des élections avec pas d'argent. Ça peut arriver qu'on se retrouve avec pas d'argent. Donc, comme proposition, vous dites? Comme proposition, il fallait que notre suggestion soit suivie, hein, de constituer chaque année une provision, hein, qu'on épargne chaque année, de façon à ce qu'en 2023, qu'on ait quelque chose. C'est très important. Autre chose, nous attendons le débat maintenant sur la loi électorale, parce qu'il y a la loi Lutundula, qui est la loi organique, mais on n'a pas encore le débat sur la loi électorale, la loi Lokondo, qui a été proposée par les G13. Et puis on se pose la question, pourquoi ça traîne? Nous avions déposé notre proposition de loi, des révisions de loi électorale. C'est là où on peut parler de beaucoup de questions. La question, par exemple, des suppléants. Est-ce qu'on doit accepter encore que le suppléant soit quelqu'un qui désigne son épouse comme suppléant, son fils aîné? Vous voyez, donc, est-ce qu'on doit accepter que quelqu'un soit au cours d'une même élection, la personne est candidate et à la députation nationale, et à la députation provinciale, et au sénatorial? Vous voyez, donc, il y a des... Est-ce qu'on doit accepter toujours que pendant la campagne électorale, qu'on achète les consciences des gens, quoi, avec des cadeaux Est-ce qu'on ne peut pas interdire ça, hein? Campagne, oui. La campagne, ça veut dire que la personne
expose son projet de société. Donc là, c'est parmi vos propositions. Oui, ce sont là. Tout ça, c'est dans les propositions du G13. Nous avions partagé ça avec la classe politique et nous attendons voir, et ça s'est contenu dans notre proposition de loi. Et nous pensons, nous voulons d'abord que ce débat ait lieu. Le G13 n'est pas là pour imposer son point de vue, mais au moins que ce que le G13 a proposé, qu'on accepte qu'un débat maintenant soit organisé à l'Assemblée, un débat maintenant sur la loi électorale, parce que ça traîne. Et ça vous inquiète. Ça nous inquiète aussi parce que depuis, ça fait plusieurs mois qu'on a déposé notre proposition de loi. La proposition de loi Lokondo a été déposée depuis longtemps, mais on n'a pas encore convoqué une plénière pour ça. Et pourtant, on traite d'autres questions. On proroge l'état de siège. Et là, en prorogeant continuellement l'état de siège, sans évaluer l'état de siège profondément, eh bien, les risques, c'est dans l'enlisement. Qu'on se retrouve dans une situation où un état de siège fait une année, deux ans. Parce que la gouvernance des provinces par des militaires, c'est une situation exceptionnelle. Normalement, ce sont des civils élus qui devraient diriger la province. Parce que maintenant, là, les magistrats militaires sont au chômage. Les magistrats civils, je veux dire. Les magistrats civils, les procureurs, les substituts du procureur, des sièges tout comme du parquet sont en chômage. Il y a beaucoup d'avocats aussi. Les barreaux. Alors, il y a des questions de femmes, des questions des enfants, des questions spécifiques. C'est pas toujours évident que les gouverneurs militaires en tiennent compte. Bref, il faut pas qu'on reste dans une situation où les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sont dirigées par des militaires. Il faut qu'on se dise, voilà, il nous reste encore combien de temps? Est-ce que les 15 jours qu'on vient d'obtenir, est-ce qu'on peut capitaliser finalement pour ramener la paix? Les programmes DDR. On a annoncé ça à un moment donné, mais jusque-là, ce n'est pas encore publié. Parce que ces programmes aideraient aussi à inciter les jeunes gens qui sont dans les groupes armés à déposer les armes. Alors, pourquoi tout ça, ça traîne? Pourquoi un programme DDR doit traîner? Comment est-ce qu'on va financer ces programmes-là? Pourquoi on ne nomme pas les responsables de ces programmes DDR assez vite? Et une autre question, proroger l'état de siège. On est presque obligé de le faire parce que c'est l'option qui a été prise. Mais vous estimez aussi qu'on pouvait... Mais évaluer. Il fallait évaluer. Au sein de l'Assemblée, il devait y avoir une évaluation sans complaisance de l'état de siège. Vraiment une évaluation. C'est pas au cours d'une séance d'une heure, deux heures. On devrait lancer une évaluation avec le gouvernement. Vous avez dit tantôt qu'il restait près de 800 jours pour convoquer les scrutins. Juste un peu plus de 800 jours. Oui, 830 environ. Oui, c'est ça. Pour convoquer les scrutins. Et pour les G13, l'option levée par le gouvernement tendant à conditionner la tenue des élections au recensement de la population relève des calculs politiques. Qu'est-ce que vous proposez à la place? Vous savez que nous avions proposé une identification simplement administrative au début. Mais le problème, c'est le facteur temps. Vous savez, en démocratie, dans la gouvernance, il n'y a pas qu'en démocratie. Dans la gouvernance en général, bon, la gouvernance que nous voulons, c'est celle qui est démocratique. Dans la gouvernance, il faut avoir en tête les facteurs temps, les respects du temps. Vous voyez, et il y a des choses qui doivent être faites aujourd'hui pour être prêt en 2023. Et si vous ne le faites pas aujourd'hui, vous attendez le faire en 2022, eh bien vous êtes en retard. C'est exactement ce qui s'est fait. La question d'avoir le fichier électoral, nous avons posé cette question-là. Il y avait plusieurs options sur la table. Il y a par exemple l'option d'un recensement scientifique. Nous, on avait rejeté ça. Parce que comme en 1984, il y avait un recensement scientifique. Parce que le recensement scientifique, ça permet d'avoir des détails sur la population. Tout ce qui est statistique de la population, en détail. Mais nous, on n'a pas opté pour ça parce que ça nous prendrait énormément du temps. Et maintenant là, il y a un recensement qu'on annonce, mais on n'arrive pas à en déterminer les contours. Il y avait moyen de faire un recensement, les experts nous l'ont dit, parce qu'on a parlé avec des experts, simplement administratif, ça nous permettrait, c'est un peu comme l'identification de la population qui a été faite en 2006, 2005 je crois, ça nous permettrait d'avoir rapidement un fichier. Mais même ça, ne pas le faire dans le délai, c'est le faisant, en le faisant en retard, ça va bousculer les délais. Mais qu'est-ce qui dérange ici? C'est les contours du processus de recensement ou quoi? Non, le problème, c'est qu'on sait quand on commencera. On peut savoir, d'abord, si je vous pose la question, le recensement commence quand? On en a parlé, mais ça commence quand? Cléopâtre, c'est ça la question, je la pose aussi aux internautes. On a parlé du recensement, mais ça commence quand? Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à déterminer les timings. Ça, c'est dangereux lorsqu'on veut respecter le délai.
Hein? Ça peut arriver qu'on lance finalement les recensements en décembre. Si on lance les recensements en décembre ou en janvier 2022, hein, ça risque de bousculer les délais. C'est ça. Donc, en gouvernant, il faut toujours avoir le facteur temps en tête. Surtout que l'opinion observe, les forces vives, les mouvements citoyens, les comités laïques de coordination, la lucha et tout, vous connaissez les microcosmes politiques. Imaginez qu'on arrive à dépasser le délai sans un consensus. Ça va être difficile. Est-ce qu'il va falloir un autre dialogue? Est-ce qu'il faudra un autre dialogue pour faire accepter à l'échiquier politique qu'on peut glisser encore? Alors, il faut réfléchir sur tout ça. Et à ces stades, est-ce qu'on peut dire que les élections sont tenables dans les deux? Nous nous sommes dit, comme G13, hein, que nous n'allons pas nous limiter à critiquer. Hein. Nous avons fait une évaluation et vous avez compris que c'est très préoccupant, comme nous l'avons dit dans le communiqué. Mais nous n'allons pas nous départir ou nous désengager de notre mission. Nous allons continuer à réfléchir. Hein, si nous sommes encore bien inspirés comme nous l'avons été, et nous espérons que nous le serons encore, nous proposerons des pistes et des solutions pour garantir la paix, hein, pour garantir un processus électoral apaisé. Mais permettez qu'on vous dise que nous avons de fortes inquiétudes par rapport à 2023, parce qu'il nous semble qu'on a passé beaucoup de temps. Hein, mais nous continuons à réfléchir pour voir comment éviter des casses à l'horizon 2023. Et le moment venu, lorsque nous aurons de nouvelles réflexions à partager avec vous, nous rendrons public les communiqués, vous nous réserverez dans cette émission, et nous proposerons les recettes en ce moment-là. Certainement. Mais la leçon qu'on doit tirer, c'est que dans une gouvernance, il faut respecter le temps. C'est très important. C'est ça la sérieuxité de la gouvernance. Si vous laissez passer le temps, il y a des choses importantes que vous devez faire. Vous les postposez, eh bien, ça risque d'être une accumulation par la suite et ça risque de faire monter des tensions inutilement. Et puis, il faut éviter des relents divisionnistes ou des tendances divisionnistes. Et je parle ici de la loi Tchani. Normalement, la collaboration entre institutions devrait s'activer pour que cette loi ne fasse pas long chemin, parce que ça ne vise autre chose que l'exclusion. Vous savez, le collègue Nsingi Poulou a même parlé de l'ADN, hein, qu'il faudra faire des tests ADN. Il est allé même un peu plus loin, quoi. Parce qu'en fait, le patriotisme, ce n'est pas génétique. Vous comprenez? Quelqu'un peut n'avoir pas les deux parents des Congolais. Et moi, mes deux parents sont Congolais. Et si je peux réfléchir une seconde je peux me mettre dans la tête des initiateurs de Tchani et de Poulou. Nous y reviendrons peut-être. Nous allons y revenir. Mais c'est pas une raison. Hein? Moi, je suis Congolais d'origine. Les autres peuvent ajouter des pères et des mères, mais c'est pas la raison pour moi, Juvenal, de discriminer ceux qui n'auraient pas papa et maman tous Congolais. Parce que je sais qu'ils peuvent être utiles pour la République. Alors, moi, qu'est-ce que je gagne en les discriminant? Et pourquoi envenimer un processus électoral qui est censé pourtant être pacifique? Voilà, vous êtes sans ignorer que les élections marchent de pair avec la justice et notamment la Cour constitutionnelle qui valide les candidatures et les résultats finaux des scrutins. Mais le G13 semble ne pas s'intéresser à ces secteurs. Pourquoi? Ne vous en faites pas, c'est dans le laboratoire, c'est dans nos réflexions par rapport à cette question. Et évidemment, il faut qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, que les magistrats ne soient pas politisés aussi, hein, évidemment. Je me réserve à vous donner une lecture par rapport à ça, parce que nous sommes en train de réfléchir. Dans nos prochains communiqués, il y a des points sur lesquels nous ne sommes pas prononcés, notamment sur la Cour constitutionnelle. Nous aurons à vous donner notre analyse des faits. Alors, tout à l'heure, vous avez réprouvé la proposition de loi sur les fonctions régaliennes dans la présidence de la République. Il parle de verrouillage. Qui devrait être réservé uniquement aux Congolais de père et de mère. Y a-t-il un danger? Oui, mais c'est de l'exclusion. Qu'est-ce que vous redoutez concrètement? Est-ce que vous aviez suivi, comme journaliste, vous deviez peut-être l'avoir suivi ou peut-être lu... en Côte d'Ivoire, c'était exactement la même chose, en fait. Hein? C'était la même chose. Dans un processus électoral, vous savez, en 2023, il y aura beaucoup de candidats. Lors de l'élection présidentielle dans ce pays, il y a toujours beaucoup de candidats. Il y en a au moins 20. Donc, des candidats, il y en aura beaucoup. Et c'est possible que dans les lots des candidats, il y aura des candidats qui n'ont pas, dont peut-être le père ou la mère n'est pas Congolais. Ça peut arriver. Hein, mais
des gens qui ont des choses à proposer ou une certaine vision pour la République. Alors pourquoi, à partir de la loi, prévoir l'exclusion de certaines personnes? C'est ce qui inquiète, en fait. Normalement, on devrait laisser la législation à l'État. Parce que la législation ne pose aucun problème. En 2006, nous avions élu un président de la République, je parle de Joseph Kabila, des pères et des mères. Je pense que c'est assez clair. En 2018, nous avons élu un président de la République, je parle de Félix Tshisekedi, des pères et des mères, congolais des pères et des mères. Et ça ne pose pas problème. Et on n'a pas insisté sur des pères et des mères. Nous avons élu en 2006 un président de la République, congolais d'origine. Ça suffit. Pour moi, congolais d'origine, ça suffit. En 2018, nous avons élu un président de la République congolais d'origine, ça suffit. Mais aller jusqu'à insister des pères et des mères, l'idée là, ça laisse cacher quelque chose au fait. C'est pour cela que nous avons pensé qu'il s'agit de... C'est quoi cette chose ? L'exclusion. Et l'exclusion, c'est pas une valeur. Vous comprenez ? L'exclusion, c'est pas une valeur. Vous savez, il y a encore certains Congolais qui pensent que les Congolais doivent avoir une figure comme ça. Oui, alors si on ne fait pas attention, il appartient à nous, leaders, de dire aux gens que le Congo, c'est un pays multiculturel. Vous savez, il y a combien d'ethnies au Congo? Il y en a combien? Il y a combien de langues et de dialectes au Congo? Et tout ça, ça fait la richesse de ce pays. Il y a des pays comme le Canada, qui est des pays d'émigration, où au Canada, on trouve des blancs canadiens, des noirs canadiens, des races jaunes, des métis, etc. Ça fait la richesse du Canada, parce que c'est un pays qui intègre tout le monde. Pour sauvegarder, parce que l'argument qu'ils ont essayé de lancer aussi, j'ai suivi lorsqu'ils ont présenté leur proposition de loi, déposé leur proposition de loi, ils ont dit que c'est pour sauvegarder la souveraineté du pays. Mais soyons sérieux. Pour sauvegarder la souveraineté du Congo, est-ce que c'est à travers l'exclusion d'une partie des Congolais? Est-ce que c'est à partir d'une loi des nationalités qui exclut une catégorie de Congolais? Mais pour protéger le pays, et ça, Chan, il doit retenir ça, et Nsingi Poulou, ils doivent tous deux retenir ça. Pour sauvegarder l'intégrité territoriale du pays, il faut construire l'armée. Il faut réformer les secteurs de sécurité, il faut une armée forte et républicaine, une police forte et républicaine. Il faut des services de renseignement forts et des services d'immigration, que eux nous proposent des plans de réforme à ce niveau-là. Que eux nous proposent des plans de réforme. Si Nsingi aime cette république, qui nous propose des idées pour que l'armée congolaise soit une armée efficace. Si Tchani aime le Congo, vraiment, qui nous propose, qui nous donne des idées pour réformer les renseignements au Congo. Voilà. C'est ce qui manque. Voilà. Alors, on est dans une sorte de distraction. On veut peut-être attirer l'attention du président de la République, vous comprenez, mais moi, je ne crois pas qu'il puisse les suivre, parce que quelqu'un a la... À ce niveau de responsabilité, c'est quelqu'un qui a beaucoup de discernement et il choisira, il sait ce qui est utile pour garantir la paix à son pays et pas une loi divisionniste qui s'annonce déjà divisionniste et qui risque de ne pas nous aider à garantir un processus électoral apaisé. Raison pour laquelle le G13 ne pouvait pas ne pas se prononcer là-dessus. Dans notre communiqué, déjà à la première page, nous avons parlé de ça parce que nous constatons que c'est aussi une menace de recul par rapport au par rapport aux valeurs démocratiques. Parce que depuis l'accord de Lusaka, depuis les dialogues entre Congolais, il y a un nouvel ordre républicain. C'est l'ordre républicain de 2006. Une constitution vraiment démocratique, notre constitution de 2006. Eh bien, il ne faut pas reculer. Il ne faut pas reculer. Et puis, leur proposition, ça voudrait dire qu'il faut réviser la constitution. Vous comprenez donc? Et ils cherchent à nous reculer. Il cherche à distraire l'opinion. Et à votre avis, ce n'est pas prioritaire? Pas du tout. Ce qui est prioritaire, c'est la sécurité à l'est, c'est l'eau potable pour les habitants de Bumbu et de Selembao. Ce qui est prioritaire, c'est l'électricité, je ne sais pas moi, à Kimwenza. Vous comprenez? Ce qui est prioritaire, c'est améliorer les transports. Que nous ne peignons plus, vous ne peignez plus, que les gens ne souffrent plus à prendre le transport à Victoire ou, je ne sais pas moi, à Kitambo, magasin. Voilà ce qui est prioritaire. Ce qui est prioritaire, c'est à ce niveau-là. Que ceux qui travaillent trouvent leur salaire. Il y a beaucoup de gens qui travaillent chez le privé ici, dans des magasins, des alimentations, mais qui souffrent, aucune garantie, aucun respect du code du travail. Voilà des questions qui devraient intéresser collègue Nsingi Poulou. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin, mais une question de curiosité. Est-ce que le G13 rêve de devenir une plateforme politique pour une conquête, par exemple, du pouvoir?
En tout cas, nous laisserions déjà devenir. Vous savez, il y a eu un grand rendez-vous là de partage des postes, hein, pour intégrer, hein, pour l'Union sacrée, le gouvernement Samalou Kondé. Si vraiment notre objectif était d'arriver au pouvoir, hein, directement, ou de nous associer au pouvoir, en tout cas, pour nous, ça serait vraiment le moment de monter vite soit un parti politique ou un regroupement. Alors, on ne l'a pas fait. La nomination d'un de vôtres, c'est une coïncidence. Vous savez, beaucoup de gens nous attendaient à ce niveau-là, hein, n'est-ce pas? Ils disaient, mais on va voir avec le gouvernement qui arrive, ils seront sûrement, la tentation sera grande pour eux de voir dans quelle mesure demander leur quota. Mais la tentation a été minimisée avec la nomination d'un de vôtres. Mais Patrick Muyaya n'a pas eu ça à partir du G13. Le G13 n'a eu aucun quota et n'a pas demandé un quota. Vous voyez, c'est ce qui est très important. On pensait, hein, il y a des gens qui pensaient que nous allions demander un quota à nous comme G13 pour entrer au gouvernement. Mais nous ne l'avions pas fait parce que ça ne fait pas partie de nos objectifs. Patrick Muyaya a été nommé ministre en charge des médias, des communications. C'est à travers son parti politique, le PALU, il est membre du PALU, à travers le regroupement politique, c'est à ce niveau-là. Ce n'est pas à travers le G13. C'est pas à travers le G13. Donc l'option d'une plateforme politique s'est écartée. C'est pas envisagé, je ne crois pas qu'on l'envisagerait d'ici là. Je n'en vois pas les perspectives. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin d'Objectif 2023. Un mot pour clôturer. Un mot pour clôturer, c'est que nous venons de loin dans ce pays, la République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre. Mais il faut préserver les acquis démocratiques. Avant 2006, on n'avait pas des élections démocratiques. Pas démocratiques, pas du tout. C'était l'époque où il fallait faire les votes du bulletin vert. Il n'y avait qu'un seul candidat. Il y a eu des élections législatives dans ce pays, sous Mobutu, sous la Deuxième République, où qui n'étaient pas des élections démocratiques, lorsqu'on élisait les commissaires du peuple. Alors, nous avons eu les premières élections de 2006. Nous avons eu les deuxièmes élections de 2011. Nous avons eu les troisièmes élections de 2018. Alors, on doit tout faire pour ne pas reculer. Et la meilleure façon de reculer, c'est de garantir un processus électoral apaisé qui rassure tout le monde. Il ne faut pas exclure une catégorie de gens. Il ne faut pas que la société civile se dise exclue, les confessions religieuses se disent exclues. Il ne faudrait pas qu'une catégorie de Congolais se dise exclue par rapport peut-être aux origines de leurs parents et tout. Bref, il faut garantir un processus électoral apaisé. Et puis, il faut se focaliser sur les vrais problèmes des Congolais. Hein, il y a un musicien qui chante « Que demande le peuple ?» Hein, et effectivement, je crois que c'est Félix Oisé, quoi. Effectivement, il faut faire un effort de savoir ce que demandent les peuples. Parce que souvent, nous, les politiques, nous sommes loin du peuple. C'est ça le problème. Nous sommes dans notre confort assez loin du peuple et parfois, nous oublions de percevoir ce que demandent les peuples. Et les peuples demandent parfois des petites choses, pas des choses cérébrales. Hein. Ce sont des petites choses, l'eau, l'électricité, comment faire étudier les enfants, la gratuité de l'enseignement, est-ce qu'elle a été une effectivité ou pas? Voilà les vraies questions, les vrais besoins de la population. Alors, des grâces, faisons un effort de ne pas nous éloigner de tout ça. Faisons un effort de comprendre les desiderata et les plaires de la population et pas rester dans des distractions politiciennes qui visent l'exclusion des autres parce que ça ne va nous servir à rien. Et je crois que ce message de la fin est compris non seulement par les politiques qui cherchent la division, c'est compris aussi par l'opinion parce qu'au finish, nous devons être tous sanctionné positivement ou négativement par la population, par l'opinion, lorsque viendra le moment pour la population d'élire ou de réélire ses dirigeants. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie, Madame Cléopâtre, et salutations à tous les internautes qui nous suivent, et merci encore pour l'invitation. Merci beaucoup. Ce numéro d'Objectif 2023 est terminé. Merci de le retrouver sur toutes les plateformes d'actualité.cd, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.